Il était une fois, dans les vieux pays, un roi qui était pas très gentil. Un roi qui avait une drôle de réputation. On l'appelait le roi Cabochon. Son Altesse Cabochon Ier, c'était son nom. Le roi Cabochon était un roi cupide, qui avait toujours besoin d'argent, puis plus d'argent, puis encore de l'argent, puis plus d'argent. Ça lui arrivait même, de temps en temps, d'emprunter des sous à ses paysans. Un de ceux à qui il avait déjà emprunté des sous, c'était un petit homme tout petit, avec des gros cheveux roux. Il était tellement petit qu'on l'appelait moitié de coq. Il était plus petit qu'une poule. Moitié de coq, c'était l'homme le plus petit, mais le plus généreux de son époque. Le jour du remboursement de ses 100 sous est arrivé, ce qui fait que Moitié de Coq a pris le chemin du château du roi, parce que ses sous, il voulait les récupérer. Il a pris le chemin du château du roi qui restait de l'autre côté d'une immense forêt. Il faisait beau, ça augurait bien, parce que Moitié de Coq allait faire des rencontres sur son chemin. Première rencontre, Moitié de Coq a rencontré un renard tout excité. « Hey, Moitié de Coq, salut mon gars, où est-ce que c'est que tu t'en vas comme ça? » « Ben, salut, renard. Ben, je m'en vais chez le roi. J'ai rendez-vous, c'est pour récupérer mes 100 sous. »« Tu t'en vas chez le roi? Chanceux! Moi, je rêve depuis toujours de visiter le château du roi. Dis, fais-moi une petite place dans tes bagages. Amène-moi avec toi. Je vais être tout petit, je prendrai pas de place, de rien du tout. » Ben oui, mais pauvre renard, j'en ai pas de bagages, j'ai rien. C'est pas grave, petite coque, c'est pas de grave. Je vais me glisser dans un petit coin, dans un petit trou, si tu veux. Je me glisserai dans le creux de ton cou. Moitié de coq est généreux. Il a accepté. Et hop, le renard dans le creux du cou. Puis moitié de coq a continué sa marche. Puis bonsoir, merci beaucoup. Un peu plus loin dans la forêt, un peu plus tard dans la journée, bien, c'est le loup que moitié de coq a rencontré. Le loup, lui aussi, tout excité, il dit, « Moitié de coq, salut mon gars! » Dis-moi donc, est-ce que c'est que tu t'en vas comme ça? Ben, je m'en vais chez le roi, j'ai rendez-vous, c'est pour me faire rembourser mes 100 sous. Tu t'en vas chez le roi? Oh, moitié de coq, je rêve depuis toujours, moi, de visiter le château du roi. Fais-moi une petite place dans tes bagages, amène-moi avec toi. Ben oui, mais mon pauvre loup, j'en ai pas de bagages, j'ai rien. Mais c'est pas grave, moitié de coq, je vais me cacher dans un petit coin, je vais me glisser n'importe où, dans le creux de ton cou, dans le creux de ton nombril. Bien, moitié de coq est généreux, il a accepté. Mais hop, le loup, dans le creux du nombril, moitié de coq a repris sa marche, puis bonsoir, merci. Encore plus loin dans la forêt, encore un petit peu plus tard dans la journée, mais qui est-ce que moitié de coq a rencontré? La rivière. La rivière, elle aussi, tout excitée. « Salut, moitié de coq! Comment ça va? Où est-ce que c'est que tu t'en vas comme ça? » Ben, j'ai rendez-vous avec le roi. C'est pour aller récupérer les 100 sous qu'il me doit. Oh, moitié de coq, tu t'en vas voir le roi. Tu t'en vas visiter le château du roi. Moi, je rêve depuis toujours de visiter le château du roi. Fais-moi une petite place dans tes bagages. Amène-moi avec toi. Ben, pauvre rivière, et j'en ai pas de place dans mes bagages. J'en ai pas de bagages, j'ai rien. Puis... il me reste plus ben le petit coin. Mais c'est pas grave, moitié de coq. Moi, je vais me glisser n'importe où, dans une petite craque de ton cou, dans ton nombril. Mais moitié de coq réfléchit. Le seul petit coin où il aurait resté de la place, c'était dans son fond de culotte. Allez, hop! Dans le fond de culotte, la rivière. Allez, à la flotte! De toute façon, à quelque part, ça tombait bien parce que moitié de coq commençait à être dû pour un bain. Mais une fois bien rincé puis bien installé, ça allait super bien. Moitié de coq a repris sa marche, une plouche, 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 comme si de rien n'était. Mais moitié de coq a fini par traverser la forêt. C'est vers la fin de l'après-midi que moitié de coq est arrivé face au château du roi. En le voyant arriver, les soldats, les gardes du roi lui ont envoyé un valet à sa rencontre. Et bonjour, monsieur. Et bonjour, moi, c'est Moitié de Coq. Ben, je viens parce que j'ai rendez-vous. Je viens pour récupérer mes 100 sous.
Le valet, ah, je vois. Le valet, il faut que je vous dise, c'était un type un peu énervé. T'sais. Le valet retourne dans le château, il dit, « Sire, votre majesté, c'est moitié de cas qui est à la porte. Il dit qu'il vient pour ses 100 sous. » Moitié de coq, mais c'est 100 sous. Je les ai plus, moi, c'est 100 sous. Je les ai pas, c'est 100 sous, moitié de coq. Valet, va dire aux soldats d'enfermer moitié de coq avec les poules dans le poulailler. Il passera la nuit, puis on verra bien demain matin s'il veut encore ses 100 sous ou si on est quitte. Méchant, le roi. Les soldats ont enfermé moitié de coq dans le poulailler. Moitié de coq se retrouve entouré de poules en train de picosser. Les poules étaient tellement affamées puis agressives qu'elles l'auraient bien picossé jusqu'à ce que mort s'en suive. Moitié de coq a appelé au secours. Dit, Renard, mon ami au poil roux, j'ai besoin d'aide, sors vite de mon cou. Le renard a entendu l'appel au secours puis il est venu faire le ménage de la basse-cour. Les poules, il les a toutes mangées. Il était heureux comme un enfant dans un magasin de bonbons. Puis tant pis pour le roi Cabochon. Ce qui fait qu'au matin, le valet, paniqué, a trouvé moitié de coq tout seul dans le poulailler. Le renard était rusé, il était pas fou, il était retourné se cacher dans le cou. Et le valet, tout paniqué, « Sire, votre majesté, moitié de coq a mangé toutes les poules. » « Voyons donc, moitié de coq a mangé toutes les poules. Mon valet, vous auriez pas un peu perdu la boule? »« Non, sire, c'est la pure vérité. Il reste plus une seule poule dans tout le poulailler. »« Ah ben, le Moses de cochon. »« Valet, va dire à mes soldats d'enfermer moitié de coq dans la porcherie avec les cochons, puis ça lui servira de leçon. » Hey, moitié de coq s'est fait enfermer dans la porcherie du château. Puis je vous dis qu'entouré des cochons, il était pas bien gros. Les cochons du roi, ils étaient gros, ils étaient gras. Puis ils étaient serrés comme des sardines. Moitié de coq allait finir aplati comme une tartine. Moitié de coq, ou pire encore, moitié de coq allait finir écrabouillé comme une patate pilée. Mais moitié de coq, il savait qui appeler. Loup, au secours! Au secours, loup, mon ami! Sors vite de mon nombril! Viens m'aider! Viens manger les cochons! Puis tant pis pour le roi Cabochon! Ben, le loup, il s'est pas fait prier. Puis les cochons, il les a toutes mangés. Ce qui fait qu'encore une fois, le valet, tout paniqué, qu'est-ce qui arrive à la porcherie? Il trouve moitié de coq tout seul à la porcherie. Évidemment, le loup est retourné se cacher dans le nombril. Le valet qui repart. « Sire, votre majesté! Moitié de coq a mangé tous les cochons! » Voyons donc, moitié de coq a mangé tous les cochons! Et là, son Altesse royale commençait à être un petit peu tannée. « Valet, va dire aux soldats que moitié de coq, je veux m'en débarrasser au plus torieux! » « Dis aux soldats de le jeter dans le feu! » Jeter moitié de coq dans le feu? Ce roi-là était méchant. Ses soldats étaient obéissants. Ils ont pris moitié de coq, puis ils l'ont lancé dans le feu. Pauvre moitié de coq. Mais heureusement, c'est là que la rivière est sortie du fond de culotte. Envoyez l'eau, envoyez la flotte. Flouche. L'eau a tellement coulé que le feu s'est éteint dans son eau. Puis, elle a inondé tout le château. Une immense inondation dans le château du roi Cabochon. Mais qu'est-ce qui peut bien arriver après ça? La rivière était sortie du fond de culotte de moitié de coq.
envoyer l'eau, envoyer la flotte. Flouche, 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 flouche. La rivière avait tellement coulé qu'elle avait inondé tout le château du roi Cabochon. De la cave au grenier, du donjon jusqu'au cachot, une immense inondation dans le château du roi Cabochon. Ben tant pis pour le roi Cabochon. Oui, tant pis. Parce que là, le roi, les soldats, puis le valet et tout, flouche, sont tous disparus dans l'eau, dans les égouts. Ben tant pis pour le roi Cabochon. Puis bon débarras, parce que des rois comme ça, on n'en veut pas. Je ne sais pas si la fin de mon histoire va être à votre goût. Mais finalement, Maudit Coq a récupéré ses 100 sous. Il a récupéré ses 100 sous, puis en plus, le château était resté vide. Maudit Coq est devenu le roi. Un roi beaucoup plus généreux, puis beaucoup moins cabochon qu'autrefois. Puis, avec comme valet le renard, puis avec le loup à la tête de son armée, puis tout ça avec à leur côté la rivière, qui leur fournissait de l'eau pour boire, s'abreuvoir, pour se baigner, pour pêcher, pour se laver les mains, se laver le fond de culotte. Depuis cette époque, la paix a régné au royaume du roi Moitié de Coq. Hein? Une araignée? Non. La paix a régné. Il y en a tout le temps un qui comprend de travers.